Voilà, on se propose de commencer, donc moi j'ai le plaisir d'introduire le conférencier. Le conférencier, c'est le professeur Adrian Ivanoyou. Il est médecin. Il a fait sa formation de neurologie à Saint-Luc, à l'Université de Louvain. Puis il est parti en formation en Angleterre. Je vais parler un peu plus fort, je ne fais qu'introduire. Donc il est parti faire une formation en Angleterre, il a fait une thèse dans le domaine des troubles de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement compétent dans le domaine qui nous concerne ce soir, qui touche donc les troubles de la mémoire, les facteurs de risque éventuellement pour les troubles cognitifs et pour cette maladie que tout le monde connaît, que tout le monde craint, donc c'est la maladie d'Alzheimer. D'ailleurs son titre est un peu inquiétant, faut-il craindre le pire? Alors je vais directement lui passer la parole sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, bonsoir à tous, honorés confrères, mesdames, messieurs, monsieur Malotto. Je tiens tout d'abord à remercier le Collège Belgique et l'Académie Royale de Médecine et M. Malotto aussi en particulier pour m'avoir invité ce soir pour vous parler d'un sujet qui, vous en doutez, me tient assez bien à cœur et malgré le titre un peu inquiétant, je tiens d'emblée à vous rassurer parce que mon but ce soir est en fait de vous apporter un message d'espoir. Alors, parler du vieillissement cérébral, finalement, on revient à parler du vieillissement tout court, puisque le cerveau se trouve dans un corps qui vieillit, et le cerveau, bien entendu, vieillit avec. Et il faut savoir que ce n'est pas une nouvelle préoccupation pour l'homme moderne d'aujourd'hui, contrairement à ce que certains disent parfois. On accuse les médecins de fabriquer des maladies, de médicaliser la vieillesse, parfois même d'être des suppôts d'une société jeuniste et mercantile qui oppresse les personnes âgées, les enferme dans leur maladie. Je ne souscris absolument pas à cela et je prends une perspective historique pour vous montrer que ce n'est pas exact, puisque déjà les antiques, hein, on va remonter aux Grecs, eh bien, ils avaient des idées, et même des idées très arrêtées sur le sujet, comme on peut le voir, de la part d'Aristophane, le fameux poète, à qui on attribue le dicton encore utilisé par certains aujourd'hui, « Les vieux redeviennent des petits-enfants ». Les Romains, d'ailleurs, n'étaient pas en reste. Un des plus fameux médecins romains, Galien, disait ceci sur le sujet, « La vieillesse est une infection inévitable du corps ». Tout ceci, évidemment, est assez négatif, mais déjà à l'époque, il y avait des esprits, on va dire, plus optimistes, ou en tout cas plus ouverts, ou carrément modernes, comme Cicéron, qui disait ceci, « La débilité sénile n'est pas une caractéristique de tous les hommes âgés, mais seulement de ceux qui sont faibles dans leur volonté. » C'est très moderne. Alors, attention, si on parle du vieillissement cérébral, on se situe aussi sur un terrain fort symbolique, un terrain de l'imaginaire, voire même un terrain mythique, puisqu'il est évident que quand on affirme de ne pas vouloir mal vieillir, peut-être que ce qu'on veut en réalité dire, c'est qu'on veut rester jeune, ou même qu'on ne veut pas mourir. Et donc, cette dimension mythique ressort très bien. Si on prend par exemple la conception à la Renaissance, le fameux mythe de la fontaine de Jouvence, présenté ici comme une espèce de piscine miraculeuse dans laquelle on entre en mauvais état de par l'âge et on sort frais, dispo et prêt à en découdre par la suite. Donc cette dimension mythique, elle est derrière, et même si on veut faire abstraction et si on veut rester fort cartésien, l'on est malgré tout influencé par elle. Et ceci est très bien expliqué dans ce livre que je vous recommande chaleureusement sur le sujet du vieillissement, puisque l'homme vit dans cette espèce de mythe, et non seulement il vivait depuis des temps immémoriaux, mais
il continue à en vivre. Et même, je dirais, ce mythe devient plus prenant chez l'homme moderne, puisque l'homme moderne attribue une valeur plus importante à la santé et à la longue vie qu'avant. Hein, donc, il ne veut plus croire à une fatalité, disons, de type religieux. Mais les miracles qui étaient liés à la religion ne font qu'être remplacés par des miracles de la science. Donc, cette dimension reste toujours derrière, quoi qu'on en dise. Et ça va être le cas aussi pour les générations futures, pour le 21e siècle. À nouveau, un excellent livre que je vous recommande. Donc, cet auteur pense, en tout cas, propose que pendant le 21e siècle, nous allons suivre tous trois utopies, trois quêtes. La première, c'est la quête du bonheur. La deuxième, la quête de la divinité. Et enfin, la troisième, la quête de l'immortalité. Et là-dedans, évidemment, la poursuite d'action sur le vieillissement en fait naturellement partie. Mais, trêve de philosophie, je ne suis pas philosophe moi-même, donc je n'ai fait que planter un tout petit peu le décor et vous situer le sujet dans un ensemble plus large. Puisque je suis médecin et scientifique, je vais plutôt aborder ce sujet par la prisme, évidemment, du médecin et du scientifique. Et je vais prendre comme témoin ce collègue qui a écrit un excellent revue sur le sujet publié dans Science et qui, en bon scientifique qu'il l'est, présente la problématique sous la forme d'un graphique. En effet, si on plotte, comme on dit, la fonction cognitive par rapport à l'âge, on peut constater que, de fait, il y a un certain déclin avec l'âge, c'est la courbe bleue, qui est, je dirais, le parcours moyen d'un sujet qui vieillit. Mais autour de cette courbe bleue, il y a cette zone grise qui est une zone de potentialité. Certains individus pourraient très bien se trouver au-dessus de la courbe, hein, donc très bien, ou malheureusement en dessous. Et raisonnablement, ce que la science peut espérer à l'heure actuelle, c'est que, en étudiant le problème, on puisse faire passer le sujet qui est moyen, voire un peu en dessous de la courbe, au-dessus, dans une zone d'évolution meilleure, plus favorable que la zone, disons, moyenne dans laquelle il se situait. Alors, avant de poursuivre, j'aimerais m'arrêter un tout petit peu sur le cerveau du sujet âgé, parce qu'il y a là aussi pas mal de mythes qu'il faut peut-être, disons, un peu dénoncer. C'est ce genre d'image qu'on nous montre souvent, où on voit un pauvre cerveau un tout petit peu vraiment mal en point par rapport à un cerveau très bien portant à côté, et on vous dit, mais voilà à quoi ça mène la vieillesse. Est-ce que ceci est correct à la lumière des connaissances actuelles? Et je vous dis tout de suite que non. Ce n'est pas correct. On a des données récentes qui sont beaucoup plus encourageantes, en fait, que ce qu'on pensait savoir avant. Tenez, par exemple, la taille et le poids du cerveau. Ça, c'est quelque chose d'assez facile à mesurer. Eh bien, dans cette étude, ça a été fait. Vous voyez que, effectivement, avec l'âge, entre 20 ans et 90 ans, oui, le poids du cerveau diminue. Mais si on regarde en valeur absolue, en réalité, ce n'est qu'une différence de 15% entre 20 ans et 90 ans. Ce n'est pas beaucoup. À 90 ans, on a encore un cerveau d'un kilo. Donc, la masse résiste assez bien. Il faut dire que des organes comme le rein, par exemple, perdent plus que le cerveau avec l'âge. Mais la masse, c'est une chose. Bien entendu, le contenu en est une autre. Et les neurones, vous imaginez tous, ce sont les cellules qui sont essentielles pour toutes nos capacités. Qu'en est-il des neurones avec l'âge? Eh bien, pendant longtemps, et c'est un mythe ténace, on a dit, mais on perd de neurones à un rythme de je ne sais combien par seconde, c'est terrible. Mais regardez, ça c'est une étude récente qui a été faite avec des méthodes modernes, et on voit qu'entre 20 ans et 100 ans d'âge, on perd 9,5% de neurones. Ce n'est vraiment pas énorme sur un laps de temps aussi long.
D'accord, vous allez me dire, mais enfin, les synapses, c'est ça qui compte le plus, puisque, bien entendu, vous savez, les synapses, ce sont ces presque connexions entre neurones, en tout cas, c'est via elles que les neurones communiquent, et chaque neurone, en moyenne, est connecté avec 10 000 autres neurones via des synapses, et ce sont ces synapses qui donnent la puissance du système, hein, qui nous font fonctionner à Windows 10 plutôt qu'à Windows 2. Et si les synapses sont atteintes par l'âge, alors là, effectivement, on va avoir un problème. Alors, pendant longtemps, on a cru savoir que les synapses diminuent fortement avec l'âge. Mais des études récentes mettent ça en question. Pourquoi ? Parce que les études anciennes utilisées, en fait, étaient faites post-mortem, hein, donc on analysait le cerveau au microscope après la mort, et les synapses, comme on va le voir, c'est quelque chose de dynamique. C'est une espèce de vague en continuel changement. Et ça, on ne peut le faire, si on veut le mesurer correctement, que du vivant du sujet. Et c'est fait maintenant avec des études assez extraordinaires, pour le moment uniquement chez l'animal, vous allez comprendre pourquoi. En fait, on prend ici un rat, on va faire une ablation d'une partie de l'os du crâne, et à la place, on va mettre une plaque en verre. L'os guérit très bien autour, mais ça laisse une fenêtre vers le cerveau, à travers laquelle, donc le rat, il est parfaitement libre de faire ce qu'il veut, on peut lui faire des choses, lui apprendre des nouvelles trucs. Et à partir de cette fenêtre, en utilisant un microscope particulier, eh bien, on peut compter ses synapses in vivo. On peut les compter avant, le matin, le soir, 3 fois par jour, avant activité, après activité, et bien entendu, on peut aussi les compter avec l'âge. Alors, les synapses se forment sans arrêt. Vous voyez ici, il y a des espèces de bourgeons qui apparaissent, qui deviennent comme une espèce de champignon, et qui, paf, ils créent une nouvelle connexion avec un autre neurone. C'est comme ça que ça se passe quand on apprend quelque chose, par exemple. D'autres synapses disparaissent. En l'absence de stimulation, la synapse finit par disparaître. Et enfin, il y a des synapses extrêmement stables qui ne bougent pas et qui restent là pendant très longtemps. Probablement, ce sont les dépositaires de la mémoire à plus long terme. Qu'en est-il avec l'âge ? Eh bien, le rat âgé, 20 mois pour un rat, c'est déjà un bel âge. Et surprise, il n'y a pas de perte de synapse avec l'âge. Vous allez me dire, mais je ne vous crois pas, quelque chose doit quand même se passer avec l'âge, hein, vous faites tous l'expérience un peu d'une série de petits phénomènes, on va dire, mais il se passe en réalité quelque chose, et ce qui se passe, c'est que c'est la dynamique des synapses qui est altérée, plutôt que leur nombre absolu. Chez le rat jeune, vous avez des synapses qui sont très changeantes, ça bouge sans arrêt, ça vient, ça passe. Et à côté de ça, vous avez aussi des synapses qui sont très persistantes, qui restent longtemps. Tandis que chez le rat âgé, vous avez des synapses qui ont un âge plutôt intermédiaire, mi-figue, mi-raisin, ni trop rapide, ni trop lente. Et donc, on pense que cette espèce de dédifférenciation synaptique réduit la flexibilité cognitive, rend l'apprentissage plus lent, ça prend plus de temps, et l'oubli plus rapide. Mais la capacité globale du système, si on la compte en termes de synapses, elle ne devrait pas bouger beaucoup. Seulement, il faudra plus de temps pour apprendre et on doit se contenter d'un apprentissage qui a la tendance à diminuer plus vite. Bien. Mais, pour revenir à notre question de départ, au fond, qu'est-ce que le vieillissement ? Il faut savoir que la question n'est pas du tout... Tranché, il y a 300 ou plus même de théories sur le vieillissement, autant dire qu'on ne le sait pas. Mais, toutefois, je vais essayer de faire simple, et vous allez voir, c'est important pour la compréhension de la suite. Il y a deux types de théories qui essayent d'expliquer le vieillissement. La première étant la théorie de l'usure. Donc avec cet exemple, hein, donc comme la vieille chaussure, ça c'est facile à comprendre, l'organisme s'use un peu à la manière d'un objet.
Les critiques de cette conception disent, mais un organisme biologique, bien entendu, ce n'est pas comme un objet. Un organisme biologique a la capacité à se régénérer. Il peut produire des cellules s'il le veut, il peut remplacer ses cellules, et il le fait même jusqu'à un certain point. Donc il doit y avoir autre chose. Et de fait, il peut y avoir une autre explication. Ce sont les théories du vieillissement programmé. Vieillissement programmé, donc nous avons dans nos gènes des espèces d'horloges internes qui, à un moment donné et sous l'influence de certains signaux, se mettent en route et nous font vieillir et puis mourir. Pourquoi cela? Eh bien, parce que ça fait sens aux yeux de la sélection naturelle. L'évolution n'aime pas avoir affaire à des individus qui sont là, qui consomment, mais qui ne transmettent plus leurs gènes. Une fois qu'on a transmis ces gènes, a priori, on n'a plus trop intérêt à être autour. On fait concurrence aux jeunes qui, eux, n'ont pas encore transmis leurs gènes. Et donc, la sélection naturelle, on peut imaginer que c'est arrangé, entre guillemets, d'éliminer les gens qui vivaient trop longtemps en leur mettant une bombe à retardement dans les gènes qui, à un moment donné, fait tic, tic, tic et commence, comme disait Brel, la pendule du salon. Hein. Bon, alors, est-ce qu'il y a des données dans un sens comme dans l'autre? Oui. Bien sûr, dans le monde animal, c'est évident, la protection augmente la vie et maintient les capacités, en tout cas jusqu'à un certain point. Prenez nos chatons, adorables, s'ils vivent à l'intérieur, ils vivent beaucoup plus longtemps et dans de bonnes capacités par rapport aux chats qui vivent à l'extérieur. Donc c'est assez évident que la protection joue un rôle. Mais il existe aussi des exemples dans l'autre sens. Prenez le saumon. Hein, donc il dépose ses œufs après un long voyage dans des rivières et puis dans quelques jours, il vieillit de manière extrêmement accélérée et puis meurt. Ce n'est pas possible que ce soit de l'usure. Il doit bien y avoir quelque chose de programmé là derrière. Et en réalité, dans beaucoup de situations, ce n'est pas facile à dire quelle est la place de l'usure et quelle est la place d'une certaine programmation. Parce que regardez cette étude très jolie. Donc on a pris ici comme sujet d'étude des mouchettes, Drosophila, qui adorent le sucre. Et les chercheurs leur ont coupé les vivres, en tout cas, leur ont donné moins de sucre à manger. Et on sait très bien qu'avec une restriction calorique, l'animal vit plus longtemps, 20% plus longtemps. Donc on peut se dire, mais voilà, la théorie de l'usure dit juste, le métabolisme de ces mouchettes n'a pas trop été sollicité puisqu'on leur a donné beaucoup moins à manger. La chaudière fonctionnant moins, elle s'est usée moins. Donc l'explication est évidente. Oui, sauf que les auteurs ont refait l'expérience. Mais cette fois-ci, les mouchettes ont eu l'odeur de sucre mais n'ont pas pu manger. Hein? Leur vie, à nouveau, est écourtée de 20%. Donc, le cerveau de la mouchette a compris que la mouchette a assez mangé, qu'il est temps de partir. Donc, ce n'est pas une question de calories, c'est une question de signaux envoyés au cerveau, à un moment donné, par l'organisme. Bien, donc, pour prévenir le vieillissement et ses effets, si on croit à la théorie de l'usure, eh bien, il faut se préserver, en tout cas contre des facteurs nocifs, sûrement. Mais si on croit à la théorie programmée, il faut tromper le système, lui faire croire que le spectacle va continuer, qu'il ne faut pas s'arrêter. The show must go on. Bien. Je fais encore une petite parenthèse parce que, à nouveau, c'est important pour la suite. Est-ce que nous sommes tous des esclaves de la génétique ou est-ce que l'environnement joue aussi un rôle? Parce que si on pensait que effectivement la génétique explique tout, dont le vieillissement, la démence, etc., mais on peut déjà s'arrêter ici. Donc il n'y a absolument rien à faire. Tout est dans nos gènes. Les damnés sont connus, les sauvés sont connus. Voilà. Qu'en est-il? Eh bien, j'ai pris ici une étude qui, je trouve,
est parmi les seuls qui peut vraiment répondre de manière assez claire à cette question. Vous voyez, tous ces gens, ce sont des Écossais d'un certain âge, ça se passe dans la région d'Édimbourg, et ils ont été rassemblés ici pour faire un test. Et c'est ce monsieur au centre de la photo ici, qui est un professeur de l'Université d'Édimbourg, qui les a trouvés et qui les a rassemblés. Alors, ce professeur a été très chanceux en fouillant dans les décombres, disons, dans les caves de son université, donc dans la poussière ou sur des vieilles étagères, il y avait des papiers qui prenaient la poussière. Il a trouvé des tests de QI ordonnés par le gouvernement écossais à faire à tous les enfants âgés de 11 ans, d'abord en 1932, puis en 1947. Des milliers, des dizaines de milliers de sujets, enfin d'enfants ont passé ce test. Et le chercheur s'est dit, mais on va retrouver ces gens, forcément, et on va leur faire le même test. Si c'est dans la génétique, ou en tout cas, si c'est dans la petite enfance aussi, leur QI ne doit plus bouger. Entre 11 ans et 77, il doit être le même. Si l'environnement joue, y est pour quelque chose, eh bien, il y aura des différences. Dans le mieux ou dans le moins bien. À votre avis, que s'est-il passé? Eh bien, le score de QI à l'âge de 11 ans a prédit 50% de la variance du QI à l'âge de 77 ans. Ce qui a fait dire à l'auteur, avec un humour écossais, si vous voulez avoir du succès, autant commencer jeune. Mais ceci étant dit, bon, ça peut paraître, disons, triste, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Parce que si on prend tous les facteurs de vie, on va dire précoces, génétiques, épigénétiques, petite enfance et ainsi de suite, ça ne représente quand même que 50% de la variance des capacités cognitives à un âge plus avancé. Ça nous laisse une marge de 50% en gros. C'est pas rien. Alors, et quels sont justement ces facteurs qui soit nous enfoncent, soit nous protègent? Alors, ces facteurs, les voici, regroupés par l'association Alzheimer américaine dans un article récent. Alors, ce qui augmente le risque de développer le trouble cognitif et de la démence, c'est le traumatisme crânien, surtout les traumatismes crâniens répétés, même petits, mais répétés. L'obésité à l'âge moyen, l'hypertension artérielle à l'âge moyen, le tabac, le diabète, le fait d'avoir des antécédents de dépression ou des troubles de sommeil, là, il y a une discussion. Et puis, il y a les facteurs qui semblent protecteurs. Par exemple, l'éducation, très important, on va voir. L'activité physique, la diète, l'activité cognitive. Alors, une consommation, j'insiste, modérée d'alcool, on va y revenir, et l'engagement social, professionnel, occupationnel au sens large. On va discuter de tous ces facteurs. Traumatisme crânien. Alors, il n'y a rien de mieux que la boxe pour illustrer ça, je trouve. À la boxe, le but de ce sport est de provoquer une commotion cérébrale avec perte de connaissance chez l'adversaire. Et évidemment, les boxeurs professionnels, ils en ont un certain nombre durant toute leur carrière. Et le résultat, c'est que 17% des boxeurs à la retraite, ici c'est une étude de 69, entre-temps on ne peut plus tellement faire des études comme ça, souffrent de encéphalopathie chronique traumatique, qui est une maladie assez spécifique, avec des lésions dégénératives dans le cerveau. Et en plus de ça, cela apparaît maintenant dans d'autres sports de contact. Par exemple, football américain, hockey sur glace, rugby, et même football tout court. Pourquoi? Les coups de tête contre la balle, contre le poteau, contre la tête d'un adversaire, répétés.
Alors, l'effet n'est pas énorme, mais il est statistiquement significatif si on le calcule. Et non seulement ces traumatismes augmentent le risque de cette maladie spécifique, mais ils augmentent aussi le risque d'attraper d'autres maladies neurodégénératives. Par exemple, la maladie de Parkinson. Lui a été atteint de la maladie de Parkinson. Sclérose latérale amyotrophique, maladie à corps de Lewy, maladie d'Alzheimer. Bon, je pense que vous avez peut-être été un peu surpris de voir que les mêmes quatre méchants qui sont mauvais pour le système vasculaire et pour le cœur, eh bien, le sont aussi pour le cerveau. Diabète, tension trop élevée, cholestérol et tabac. Il y a des nuances toutefois. Le diabète clairement augmente le risque, 65%, d'attraper des troubles cognitifs et de la démence. L'hypertension artérielle aussi. C'est un peu faussé parce que l'hypertension a d'autres effets aussi. Seul le cholestérol semble plutôt neutre par rapport au cerveau, en tout cas beaucoup moins méchant que par rapport au cœur. Alors vous allez être peut-être étonné parce que dans cette méta-analyse, le tabac, il a l'air d'être protecteur. Comment est-ce possible? J'ai dit le contraire. Mais en fait, c'est un exemple typique de risque concurrent. Le tabac vous tue avant de devenir dément. Donc forcément, ça a l'air protecteur, mais ça ne l'est pas. Ceux qui résistent, qui ne meurent pas de cancer du poumon, eux font de la démence. Bien. Et l'obésité. L'obésité, bien sûr, c'est un problème pour les Américains, tout le monde le sait. Un tiers de la population obèse, alors que dans les années 60, il n'était que 10 à 15%. Mais pas seulement, c'est un problème mondial. Regardez, le plus grand nombre d'obèses au monde, après les États-Unis, c'est la Chine, l'Inde, la Russie et le Brésil. Ça devient un problème pour tout le monde. En réalité, vous voyez, la courbe ici de l'obésité mondiale augmente et actuellement, on meurt plus d'obésité dans le monde que de famine. Je sais que c'est politiquement incorrect, mais c'est la réalité. On n'en parle pas. Alors, qu'en est-il? Eh bien, il y a des études, plusieurs études, qui montrent clairement qu'il y a un risque lié à l'obésité à la mi-vie, 40-50 ans. Mais il y a aussi cette étude récente sur un très grand nombre de sujets. Donc, ça s'est passé en Angleterre. Donc, il y a 1 900 000 de sujets qui ont été passés au crible de l'étude, et qui montre que le risque le plus élevé n'est pas lié à l'obésité, mais il est lié au fait d'être trop maigre. Donc attention, être trop maigre, donc avoir un BMI faible, augmente aussi le risque. Donc il ne s'agit pas ici de commencer à faire des régimes pour devenir vraiment extrêmement maigre, puisqu'on tombe dans le risque aussi si on est trop maigre. Et l'alcool. J'ai promis qu'on en parlerait. Hein? Donc vous voyez, bon, on peut en faire usage pour oublier, mais le problème, s'il protège, hein? On se trompe peut-être. En tout cas, c'est un fait, hein? Et je cite ici le KCE, donc c'est un organisme parastatal ici en Belgique. Un Belge sur 10 consomme trop d'alcool. C'est un fait établi. Si l'alcool a vraiment un effet très, très, très néfaste, on est vu, parce qu'évidemment, on va avoir un gros problème d'augmentation des troubles cognitifs. Alors, l'effet de l'alcool est nuancé. Donc, il suit ce qu'on appelle une courbe en U, ou alors, comme les anglo-saxons qui sont plus politiquement corrects que nous disent, une courbe en J. Pourquoi? Parce que si vous buvez 2-3 unités d'alcool par jour, ça c'est le risque le plus faible. Dès que vous dépassez ça, assez rapidement, le risque augmente. Mais ceux qui ne boivent pas du tout ont quand même un risque un peu plus élevé que ceux qui boivent un peu. D'où l'idée que l'alcool serait peut-être protecteur. Et on a gossé beaucoup là-dessus, on a dit que c'était les tanins, que... Enfin, les Hollandais, c'est le houblon. Enfin, donc chacun est venu de sa petite idée en disant, ben, c'est peut-être, il y a peut-être quelque chose dans ce breuvage divin.
En réalité, on n'en sait rien, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que dans notre étude écossaise, on a aussi regardé à l'effet de l'alcool. Hein, et là, je peux vous dire que hein, j'étais en Écosse, c'est quelque chose qu'on peut étudier. Donc, c'est pas rare. Eh bien, chez la cohorte écossais, il y avait bien un effet de protecteur de l'alcool. Donc, les chercheurs ont dit, ben voilà, regardez, le whisky, c'est bien, c'est la turbe, enfin. Mais quand ils ont pris dans l'équation le QI des Écossais à l'âge de 11 ans, cet effet a disparu. Ce qui a fait dire à l'auteur, à nouveau avec un humour tout écossais, les gens qui boivent un peu sont probablement déjà un peu plus malins. En réalité, il se peut donc que ce ne soit pas dans le breuvage, mais que les gens qui boivent 2-3 verres, ils sont peut-être, ils ont plus de convivialité, ils rencontrent plus de gens, ils sont plus heureux, moins déprimés, que sais-je, qui fait que, voilà, ça entraîne des meilleures capacités cognitives, et que c'est peut-être pas à l'intérieur de la bouteille que la réponse se trouve. Mais tout ça, c'est du peut-être. La dépression, ça a un effet. Si ça a un effet, on est vu à nouveau parce que c'est très fréquent. 500 000 Belges en souffrent, c'est en troisième position après le trouble anxieux et la migraine parmi les maladies neuropsychiatriques. Qu'en est-il? Eh bien, deux méta-analyses récentes trouvent toutes les deux que avoir fait de la dépression dans les antécédents double le risque de développer des troubles cognitifs et dans une moindre mesure de la démence. Mais attention, la dépression, oui, probablement est un facteur de risque. Je suis prêt à croire ça, mais également, elle est un symptôme précoce, voire réactionnel par rapport à ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire la diminution des capacités cognitives. Et cette étude le démontre assez clairement et joliment, je trouve. C'est une cohorte française qui s'appelle Paquid, dans la région de Bordeaux, de Dordogne. Donc, on a inclus des sujets qui étaient tout à fait cognitivement normaux au départ. On les a suivis pendant de nombreuses années, ici 14 ans. Et sur le graphique de gauche, vous avez leurs plaintes cognitives, les plaintes de mémoire. Et vous avez deux groupes. En bleu, ceux qui n'ont jamais développé de démence. Et en rouge, ceux qui, à un moment donné de l'étude, ont développé une démence. Vous voyez que les futurs déments, à un moment donné, commence à se plaindre, à avoir des troubles cognitifs et à remarquer que quelque chose se passe. Et ça arrive 7 à 8 ans avant le diagnostic de démence. En même temps, exactement en même temps, ces mêmes sujets commencent à être plus déprimés. Donc là, on peut clairement dire que ce n'est pas un facteur de risque qui précède, mais c'est un symptôme qui accompagne le sentiment que la cognition commence à partir. Donc, ça fausse les interprétations, et je pense que le doublement du risque est excessif. Il y a bien, à mon avis, un effet de la dépression comme facteur de risque, mais qui est probablement augmenté par cette tendance à avoir la dépression comme symptôme jusque 7-8 ans avant le diagnostic. Comment agissent les facteurs protecteurs maintenant? Eh bien, ils agissent probablement dans ce que l'on appelle la théorie de la réserve cérébrale. Alors, la théorie de la réserve cérébrale, en gros, ça dit que certains cerveaux résistent mieux au passage de l'âge et aussi des maladies comme l'Alzheimer ou autres parce qu'ils ont une meilleure réserve. Et ceci est très bien illustré par l'histoire de cette religieuse, Sister Mary, donc, qui faisait partie d'une fameuse étude aux États-Unis qui s'appelle l'étude des bonnes sœurs. Alors là, les chercheurs ont eu une idée géniale aussi. Ils sont allés dans des couvents et ils ont proposé donc aux religieux et religieuses de participer à une étude longitudinale où tous les ans on leur faisait des tests cognitifs de toutes sortes et ils ont accepté de ne prendre auprès du Seigneur que leur âme et leur corps et leur cerveau le donner à la science. Et donc on a pu avoir et analyser leur cerveau après la mort et comme ils avaient des tests chaque année, voir vraiment si les lésions qu'on a trouvées dans le cerveau correspondaient bien aux troubles qu'ils avaient. Et surprise, cette gentille religieuse qui est décédée à 101 ans d'âge, tout en ayant des fonctions cognitives
dit tout à fait correct, avec des tests objectifs bons pour son âge. Elle avait des lésions d'Alzheimer dans le cerveau en quantité telle que si on avait vu que son cerveau, on aurait tout de suite dit c'est un patient Alzheimer. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que la réponse est parce qu'elle a une bonne réserve et que malgré les lésions, elle n'a pas développé de troubles. Et ce n'est pas, c'est loin d'être un cas isolé. Donc, 12% des participants dans d'autres études de ce type, eh bien, ils étaient dans le même cas. Cognition intacte au moment de la mort ou proche et abondance de lésions cérébrales. Bien. Alors, parmi les facteurs qui protègent, je vous ai déjà parlé de l'éducation. Alors, ça, c'est une étude, à nouveau, qui vient de l'accord de PACVID, qui est extrêmement illustratif sur le sujet. Donc, ici, on a 20 ans de suivi de ces patients, et on les a séparés en deux groupes. Donc, le graphique de gauche, ce sont des patients qui ont une éducation bonne, supérieure, bon, au moins les secondaires. Graphique de droite, patients qui ont une éducation moins importante. Et vous voyez que les deux graphes ne sont pas du tout pareils. À nouveau, en bleu, ce sont les futurs non-déments, et en rouge, les futurs déments. Bon, logiquement, les deux groupes qui ont une éducation plus élevée partent de plus haut. Hein. 16 ans avant, donc ici, ce qu'on figure sur le graphe, ce sont les capacités cognitives, les tests cognitifs, les tests de mémoire. 16 ans avant le diagnostic de démence, on assiste à une diminution d'abord très progressive de capacité cognitive. Mais jusqu'à 7 ans avant, le sujet, on ne voit absolument rien. Le sujet fait avec. Il n'a pas du tout de trouble fonctionnel. Parce qu'ayant une bonne réserve, une certaine diminution de ses capacités de base ne le met pas en difficulté. Il parvient à faire avec. Mais regardez ce qui se passe quand on a une éducation moindre. On part de plus bas. Dès qu'il y a divergence des courbes, dès que sa cognition commence à baisser, eh bien, tout de suite, on a des difficultés fonctionnelles. Parce que ces sujets n'ont pas assez de marge. Une diminution même légère de leur capacité suffit pour les mettre dans le pétrin. Et donc, ça a fait dire aux auteurs de l'étude qu'une éducation élevée fait gagner 9 ans. Sur la démence. Jusqu'à présent, c'est ce qu'on a de mieux, finalement, comme facteur protecteur. 9 ans, c'est vraiment substantiel. Bien, mais comment, qu'est-ce que c'est que cette réserve cérébrale, au fond ? Est-ce que c'est plus de hard, hein, plus de neurones, de synapses, ou est-ce que c'est un meilleur soft, c'est-à-dire un logiciel plus apte à utiliser les connexions qui sont toujours présentes. En fait, cette distinction qui a fait couler beaucoup d'encre dans la littérature, à mon avis, est totalement artificielle. Pourquoi ? Parce que je vais vous démontrer que l'activité cognitive, quelle qu'elle soit, modifie la structure même du cerveau. Alors, un premier exemple, cette étude, 300 sujets, non déments, 76 ans d'âge, chez qui on a regardé à l'effet de l'éducation en corrélation avec une mesure prise par un examen qui s'appelle résonance magnétique cérébrale, qui est l'épaisseur du cortex cérébral. Donc on peut maintenant, avec des logiciels spéciaux, calculer l'épaisseur de ce cortex en utilisant un sorte de scanner, si vous voulez. Les sujets avec une meilleure éducation, comparés aux sujets avec moindre éducation, eh bien, il y a des zones dans leur cerveau, dans leur cortex, ici en rouge, qui sont plus épaisses. L'épaisseur est augmentée dans toutes les zones en rouge, chez les gens avec une éducation meilleure. Si on fait la comparaison inverse, on n'obtient rien. Donc, les gens qui ont une moindre éducation n'ont pas d'autres zones qui seraient éventuellement plus épaisses. Donc, on peut conclure, si on a vu ça, que l'éducation fait gonfler, si on peut, je peux m'exprimer ainsi, le cortex cérébral. Est-ce qu'on doit croire ça ? Non. Pourquoi ? Parce qu'on se trouve dans un problème, dans un paradoxe typique de l'œuf et de la poule. Je vous ai dit qu'une meilleure éducation entraîne
un plus gros cerveau, en tout cas un plus gros cortex. Mais il se peut que ce gros cortex permet justement d'acquérir une meilleure éducation. Ça peut très bien aller dans les deux sens. Donc ces données ne sont pas suffisantes pour croire à ce que je vous ai dit. Fort heureusement, il y a mieux. Il y a mieux. Et cette étude, qui est maintenant assez célèbre, si j'ose dire, donc les chercheurs ont eu là aussi une idée lumineuse, ont pris comme cobaye des chauffeurs de taxi londoniens. Alors ces chauffeurs de taxi, attention, ça se passe dans les années 90, c'est avant l'époque du GPS, ils devaient étudier par cœur les rues de Londres. D'abord les étudier par cœur pour passer un examen difficile pour avoir leur licence, et puis évidemment s'entraîner tous les jours, puisqu'ils devaient sans arrêt savoir où aller. Et on a regardé avec la résonance magnétique une structure, le volume d'une structure dans le cerveau qui s'appelle l'hippocampe, ici en couleur jaune. Cet hippocampe, c'est un peu le GPS interne. Il est responsable de l'encodage en mémoire en général, mais aussi de l'encodage des mémoires spatiales. Donc si vous déplacez, donc l'hippocampe encode par où vous allez. Et donc ici, sur le graphique, on a comparé le volume de l'hippocampe chez le chauffeur de taxi en noir et le volume de l'hippocampe chez les contrôles en blanc. Il est clair, évident, que le volume de l'hippocampe chez les chauffeurs de taxi est plus gros que chez les monsieur tout le monde. Qui plus est, ils ont fait la même chose avec des chauffeurs de bus. Et là aussi, les chauffeurs de taxi sont meilleurs. Évidemment, les chauffeurs de bus, eux, ne doivent pas réfléchir trop. Ils ont des trajets prédéterminés. Et donc, ce n'est pas le métier de chauffeur en soi qui apporte, enfin, qui sélectionne des gens avec un plus gros hippocampe. C'est clairement le fait d'utiliser sa mémoire spatiale qui est responsable de la différence. Et il y a même une corrélation assez belle entre le nombre d'années passées comme chauffeur de taxi et le volume de l'hippocampe. Hein, plus c'est long, plus le volume est gros. Très bien, vous allez me dire, mais ça, c'est quand même très particulier, c'est une population, on va dire, spéciale. Est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Ou en tout cas pour d'autres métiers? Heureusement, oui. Il y a d'autres données, et j'aime bien montrer cette étude-ci, parce que, ma foi, si vous voulez étudier l'effet d'emmagasiner une quantité invraisemblable d'informations en un temps court, qui est-ce que vous allez prendre comme cobaye? Les étudiants en médecine, pardi. Alors, on a fait cette étude en Allemagne. Des collègues ont scanné des étudiants en médecine qui passaient ce que l'on appelle là-bas le physicum, qui est un énorme examen de toute la matière préclinique, anatomie, biochimie, biophysique, tout ce que vous voulez, en un seul examen. Donc, ils ont 3 mois pour préparer ça, et puis ils passent l'examen. On les a scannés 3 mois avant, c'est-à-dire avant toute étude. Puis, le jour d'après l'examen, on les a quand même laissés se reposer le jour de l'examen, et enfin 3 mois après. Et surprise, enfin, non, pas surprise, on s'y attendait, l'hippocampe de ces sujets a grossi. Et en plus de ça, des parties de leur cortex, ici figurées en coloré, ont grossi aussi, entre l'avant l'étude et l'après l'étude. Alors, c'est très intéressant de voir que le cortex, lui, n'a plus grossi à partir de... Donc, bon, on s'arrête d'étudier, le cortex ne grossit plus. Mais l'hippocampe continue à grossir, même si l'étudiant est allé en vacances. Ça montre qu'on n'oublie pas tout de suite, et que cet hippocampe, en fait, il est en train de consolider les souvenirs. Donc, l'hippocampe a un rôle dans la consolidation de souvenirs. C'est ça qui explique que si vous avez un traumatisme crânien avec un coup sur la tête, on perd non seulement les souvenirs actuels, on n'en code plus, mais on a une amnésie rétrograde, c'est-à-dire les souvenirs d'il y a quelques semaines, quelques mois, sont également perdus, alors qu'ils avaient été bien encodés par une structure qui était bonne à ce moment-là, mais pas consolidée. Donc l'hippocampe travaillait toujours à les fixer, sinon ces souvenirs peuvent partir. Donc ça fait sens, tout à fait. Vous allez me dire, d'accord, tout ça c'est bien, mais les études c'est quand même loin. À l'âge adulte, que peut-on faire en plus, si on peut faire quelque chose? Est-ce que le dicton que vous voyez ici, que vous connaissez certainement tous, « usit or lusit » est vrai ou pas? Oui, il est vrai, je vais essayer de vous démontrer. Donc ça, c'est une étude européenne, et c'est là qu'on voit que
l'Europe, ça sert vraiment à quelque chose. Donc, vous avez ici 11 pays qui ont participé. On a pris un grand nombre de sujets qui ont eu des interviews par téléphone, des tests cognitifs, et chez qui on a pris dans des questionnaires tous les détails concernant leurs occupations, leurs activités professionnelles et non professionnelles. C'était des personnes d'âge adulte. Et on a pris comme référence la personne active de 60 ans. Et ici, vous avez en année de cognition perdue ou gagnée, la différence par rapport à cette référence. Vous voyez que l'inactivité a clairement un effet négatif, et d'autant plus négatif que vous êtes inactif depuis plus longtemps. Celui qui n'a jamais travaillé perd 3 ans de cognition par rapport à celui qui travaille à plein temps à l'âge de 60 ans. Mais les activités non professionnelles, clairement, augmentent donc les capacités. Le volontariat, aider la famille, les amis, les voisins, suivre des conférences, hein, aller à des clubs, ou même prendre part à des organisations communautaires, peu importe. Donc, toutes ces activités semblent bien avoir un rôle positif sur la cognition des gens. Mais à nouveau, vous allez me dire, les activités vont nous rendre une meilleure cognition, mais peut-être que c'est l'inverse. On peut être actif parce qu'on garde une meilleure cognition. Donc, à nouveau, la corrélation va dans les deux sens. Heureusement, là aussi, on a mieux. Et ça appuie notre hypothèse. C'est l'étude de l'effet de la prise de la retraite. La prise de la retraite, évidemment, s'accompagne un peu d'images idylliques. On s'imagine avec le mojito sur la plage. Mais attention, les chercheurs ont trouvé qu'avec la retraite, vous perdez 10% des capacités cognitives. Sauf évidemment si vous remplacez par autre chose l'activité. Hein. Alors, ça c'est une diapositive que j'ose à peine à montrer. Chaque fois, je me fais un peu attaquer. Parce que ce sont les mêmes chercheurs qui ont essayé de plotter sur le même graphique la chute cognitive en ordonnée et la différence entre le taux d'emploi dans différents pays en abscisse. Et donc, vous voyez qu'il y a une relation et que la chute est plus forte dans les pays où on part à la retraite tôt. On en fait partie. La chute est plus faible dans les pays où on part à la retraite plus tard. Ne frappez pas, s'il vous plaît. Mais voilà, donc ce sont des données très intéressantes, je trouve. Et même, les chercheurs sont allés encore plus loin. Ça, ce sont des données américaines, mais ce sont les mêmes chercheurs. Ici, vous avez le score cognitif. Il diminue malheureusement avec l'âge. Enfin, ça a l'air de diminuer vite, mais en réalité, non, l'échelle fait qu'on voit ça. Mais regardez, à un moment donné, il y a une chute plus brusque. C'est entre l'âge de 62 et 63 ans. Ceux qui connaissent les États-Unis savent qu'à 62 ans, il y a une vague de départ à la retraite importante aux États-Unis parce qu'ils peuvent bénéficier du Medicare, de l'assurance vieillesse aux États-Unis. Et évidemment, on a envie de dire que c'est pour ça qu'il y a cette chute, parce qu'il y a une vague des gens qui partent à la retraite à ce moment-là. Et les chercheurs ont même pu montrer qu'il y a d'abord la vague de départ à la retraite, ici en haut, hein, à 62 ans pile, et puis un an après, pas immédiatement, vous avez la chute cognitive. Donc, ce n'est pas quelque chose d'instantané, vous ne perdez pas les acquis comme ça, mais il faut un an, mais après un an, on a la diminution. Bien, mais on a... Pour ceux qui ont pris la retraite, ok, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre maintenant ? Puisqu'on a déjà dépassé cette phase. Est-ce que toutes ces activités, pardon, servent à quelque chose? Et je peux vous dire déjà que oui, ça sert à quelque chose. Il y a cette étude publiée dans un fameux journal où on a pris des sujets new-yorkais, de Bronx, dans une étude longitudinale, et on a pu démontrer, tout en tenant compte de tous les facteurs possibles et imaginables, que des activités comme la lecture, jouer aux jeux de société, jouer d'un instrument de musique et même danser avait un effet de réduire le risque de la démence. Et ceux qui faisaient un peu plus
d'activités par semaine avait même au maximum une réduction de 63% de risque, ce qui n'est pas négligeable. Bien. Mais vous allez me dire, on vit à notre époque. Pourquoi continuer à faire des mots croisés quand on peut faire mieux? Des jeux sur ordinateur. Est-ce que c'est mieux? Eh bien, j'étais étonné en préparant la conférence parce qu'il y a déjà beaucoup d'études là-dessus. Plein d'études. Malheureusement, l'effet obtenu, vous le voyez là, il est modeste. Hein? Et attention, il n'y a pas d'effet pour ceux qui travaillent seuls à la maison. Il n'y a de l'effet que pour ceux qui travaillent dans un cadre organisé avec un coach. Ça limite déjà les choses. Et faire beaucoup ne sert à rien, puisque si vous faites plus de 3 sessions par semaine, ce n'est pas plus efficace que si vous en faites 1 ou 2. Donc la quantité n'est pas intéressante. Bien, mais si vous avez le temps de choisir, est-ce que vous choisiriez cette activité ou l'autre? Qu'est-ce qui est mieux? Les deux. Regardez, les données sur l'activité physique sont encore plus impressionnantes que les données sur l'activité cognitive. Hein? Donc, il y a plein d'études sur plein de sujets, suivies pendant très longtemps, et les résultats sont clairs. Si vous faites une activité physique, même modeste, vous avez un gain de 35% par rapport au risque de démence. Si vous en faites plus, vous avez un peu plus de gains, 38%, mais la différence n'est pas énorme. Donc ça veut dire qu'on peut se contenter d'une activité physique relativement faible, et c'est déjà protecteur. Il ne faut pas s'époumoner à la salle énormément pour obtenir un effet supplémentaire. Il n'y a pas d'effet, l'effet n'est pas lié à la dose. Et cette étude montre clairement que l'activité physique a un effet sur la structure cérébrale, clairement. C'est une excellente étude. Donc on a proposé dans un design de groupe versus contrôle à des sujets de faire de la marche à un rythme un peu alerte, mais pas courir, avec un coach, 40 minutes par jour, 3 jours par semaine pendant 1 an. Et on les a comparés à des contrôles qui, eux, faisaient des exercices de gymnastique, mais statiques, pas de course. Et on a regardé leur hippocampe, fameux hippocampe. Eh bien, chez ceux qui marchaient, l'hippocampe était plus gros de 2% par rapport à ceux qui faisaient des exercices statiques. 2%, vous allez dire, c'est peut-être pas beaucoup, mais si, parce qu'avec l'âge, en 1 à 2 ans, on perd 2%. Donc on a récupéré, ils ont récupéré en 1 an ce qu'ils auraient perdu s'ils n'avaient rien fait, au moins. Et l'effet est très spécifique, il est très clair sur les hippocampes, et une autre structure du cerveau qui s'appelle le noyau codé, ici en bleu, qui est pourtant impliqué dans tout ce qui est moteur, et bien là, il n'y a pas d'effet. Donc l'effet, c'est spécifique sur l'hippocampe. Et c'est même spécifique sur une partie de l'hippocampe, sur la partie avant, et pas sur la partie arrière. Donc c'est vraiment très 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 spécifique. Et ça s'accompagne d'une amélioration de leur mémoire spatiale, et ça s'accompagne aussi d'une augmentation dans leur sang d'une substance qui s'appelle le BDNF, qui est un facteur de croissance qui augmente la neurogénèse, c'est-à-dire la création de nouveaux neurones dans l'hippocampe. La boucle est bouclée, joliment. On va terminer avec la nutrition. Alors, comme dit la chanson, nous sommes ce que nous mangeons, donc autant manger bien. Que sait-on sur la nutrition et le déclin cognitif? Je pense que les données les plus solides à l'heure actuelle concernent la diète dite méditerranéenne. Qu'est-ce que la diète méditerranéenne? Eh bien, elle est souvent figurée sous la forme de cette pyramide. Vous avez à la base des aliments qu'il faut manger souvent, pratiquement tous les jours, comme tout ce qui est féculent, des légumes, des noix, des fruits, de l'huile d'olive, un peu de fromage et de yaourt. Et puis vous avez des aliments qu'il faut manger quelques fois par semaine, on va dire 2-3 fois par semaine, comme le poisson, le poulet, les œufs ou les sucreries. Et enfin, le pire ennemi, c'est la viande rouge, qu'il ne faut consommer que quelques fois par mois. D'accord? Alors, quelles sont les données sur la diète méditerranéenne? Eh bien, il y a pas mal d'études déjà, et ces études sont claires,
la plupart sont positives sur la cognition. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des études faites partout dans le monde, pas seulement France et Espagne. Là, on pourrait se dire, ok, c'est la Méditerranée, mais aux États-Unis, en Suède et même en Australie. Ce qui veut dire que, cette fois-ci, on peut croire que c'est dans l'assiette. Hein. Ce n'est pas l'odeur de lavande, le mistral ou les grillons. Hein. Les Australiens et les Suédois, eux, n'ont pas ça. Donc, c'est vraiment dans l'assiette que ça se passe. Et ça a aussi, comme le sport, une activité sur le cerveau. Regardez cette étude de la Mayo Clinic. 600 sujets, presque 80 ans d'âge. On leur a demandé de remplir des formulaires détaillés sur tout ce qu'ils mangeaient pendant une période, avec quantité, produit, absolument tout. Et on a calculé un score méditerranéen. Plus il était élevé, plus ça se rapprochait de la pyramide idéale que vous avez vue. Et on a corrélé ça avec les mesures d'épaisseur corticale. Et ça corrèle. Ça corrèle dans plusieurs régions du cerveau. Plus vous avez un score élevé méditerranéen et plus le cortex est épais. Et c'est vrai pour le score global et c'est vrai aussi pour les scores individuels, pour le poisson, pour les légumes, les graines et les céréales. Ce n'est pas vrai, par contre, pour les fruits. Mais il y a peut-être une autre explication parce que si on prend le sucre, la consommation de sucre, la corrélation va dans le même sens, va dans l'autre sens, pardon. C'est-à-dire que ceux qui mangent trop de sucre ont un cortex moins épais. Et peut-être que certains fruits sucrés vont faire en sorte que l'effet n'est pas obtenable. Et les suppléments, vitamines et nutriments, que faut-il en penser? Eh bien, je vais vous montrer cette étude, à nouveau, de la cohorte de Paquit. Vous allez dire que j'aime bien la cohorte de Paquit, je connais bien la chercheuse principale avec laquelle j'ai été en Écosse à l'époque, on était tous les deux dans le même labo, donc, mais ce n'est pas pour ça, ils font de très belles études en réalité. Dans cette cohorte, on a pu regarder à la consommation de ginkgo biloba. Vous voyez, le ginkgo biloba, c'est un arbre dont la feuille sert à produire une série de substances qui sont, pour toute une série de raisons, très utiles au niveau de la prévention du vieillissement. Et une partie de ces sujets ont rapporté utiliser le ginkgo biloba, une autre partie ont rapporté utiliser un autre produit qui a été utilisé pas mal dans les années 80 et 90, c'est-à-dire le piracétam, vous avez peut-être entendu parler, c'est le nootropil. Et enfin, d'autres sujets qui n'ont utilisé ni l'un ni l'autre. Et au bout de 20 ans, il a fallu 20 ans de suivi, eh bien, le déclin cognitif a été moindre chez ceux qui ont utilisé le ginkgo. 5 points de différence sur un test qui s'appelle Mini Mental State et qui en compte 30. Donc, ce n'est vraiment pas de la petite différence, mais au bout de 20 ans. Et ça, bon, à nouveau, n'oubliez pas, l'œuf et la poule. Mais, si c'était le cas, si c'était simplement le fait que ceux qui prennent quelque chose ben donc, sont plus conscients de leur capacité, etc., donc ça se joue ailleurs, mais il n'y a pas eu d'effet du piracétam, du nootropil. Aucun effet. Par contre, il y a eu un effet du ginkgo. Donc peut-être que là, on peut imaginer, ce n'est pas une preuve suffisante pour moi, mais c'est quand même une indication que ça pourrait jouer. Mais attention, sur 20 ans. Parce que malheureusement, dans les études expérimentales, quand vous administrez un nutriment versus placebo, eh bien l'effet est nul. Que vous utilisez de l'oméga 3, des vitamines B, D, les résultats ne sont pas du tout concluants. Et c'est vrai aussi pour ginkgo. Il y a 2 études sur 6 ans négatives chez des gens qui avaient des troubles légers. Pourquoi dans les études épidémiologiques on a de si belles résultats, tandis que dans les études interventionnelles, ça ne se voit pas? On ne sait pas. Mais il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'on ne sait pas, en réalité, avec ces produits, quelle est la dose qu'il faut donner et pendant combien de temps. On n'a aucune idée, on va un peu au pif. On ne sait pas quel est le timing idéal de cette intervention, à quel âge il faut commencer pour bien faire. Vous avez vu, peut-être qu'il faut 20 ans, peut-être qu'il faut moins pour d'autres. C'est probablement lié aussi à l'état nutritionnel initial.
Il ne faut pas oublier que ces nutriments et ces vitamines remplissent un manque. Si le sujet n'a pas de manque, il ne va pas avoir de bénéfice. Or ça, souvent, on ne teste pas avant de donner. Et enfin, je pense qu'il faut considérer la diète de la personne dans son ensemble. Si vous prenez de l'oméga 3 en pensant bien faire, mais que vous mangez votre steak tous les jours, il n'y aura pas d'effet, probablement. Donc, nutrition et déclin cognitif, c'est une question d'équilibre, au fond. Bien, j'arrive à la fin de mon exposé, ou presque. Je reprends ma diade de départ. Donc, je pense avoir pu vous convaincre qu'il est possible de passer de la courbe en bleu à la courbe en rouge. Mais vous allez peut-être être exigeant et me demander des preuves supplémentaires. Et je peux vous donner des preuves supplémentaires. Regardez, ça s'est déjà produit. Donc, on a déjà pu gagner sur la démence. Ça, c'est une étude extraordinaire publiée dans le fameux New England Journal of Medicine, c'est un peu la Bible des médecins. Et c'est une étude publiée par ceux qui suivent la cohorte dite de Framingham. C'est la première cohorte épidémiologique au monde, aux États-Unis, qui a commencé dans les années 40-50. Et chaque décennie, ils ont inclus de nouvelles vagues de sujets normaux de la même région, donc dans cette cohorte, qui ont été suivies et vraiment analysé sur toutes les coutures possibles. Et on a regardé, je fais court, à la prévalence de la démence, le nombre de patients qui avaient une démence, dans quatre vagues successives dans cette cohorte. La vague des années 70, des années 80, des années 90, et puis des années 2000. Regardez, la démence diminue. Elle diminue, miracle. On passe de 3,6 de prévalence à 2. 44% de gains à partir des années 70 jusqu'à maintenant. Pourquoi ? On n'a rien fait. Si, sans doute qu'on a fait des choses. Les générations n'ont pas vécu de la même manière. Les auteurs ne savent pas, n'ont pas trouvé un facteur qui explique ça. Et ils soupçonnent qu'en fait, c'est une interaction complexe entre des facteurs très divers qui ont fait que oui, ben, on a obtenu en réalité une diminution de cette démence. Donc, c'est possible. Avec cela, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Ivanouyou. C'était très intéressant, très bien documenté, avec un peu d'humour. Et avant, on a un peu d'espoir. Je crois qu'on a le temps pour quelques questions. On va vous donner un micro. Okay. Bonjour, et je vous remercie beaucoup pour la conférence. Je réfléchis un peu en lisant des articles qui parlent du deuxième cerveau qui est dans le ventre. Et je me demande quelles sont les interactions, corrélations avec le cerveau qui est dans le crâne. Et si vous avez parlé beaucoup de la diète, de régime, c'est là, je pense que la première intervention, c'est du cerveau du ventre. Merci. Merci beaucoup de votre question. Donc, c'est un domaine relativement nouveau. Donc, on commence à s'intéresser à ça depuis pas si longtemps que cela. Il y a des données qui clairement pointent vers des cellules nerveuses au niveau de l'intestin qui seraient atteintes, par exemple, par des maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Mais on connaît beaucoup moins l'influence de ce cerveau sur l'autre cerveau, disons plus classique. Probablement, mon sentiment, c'est qu'il y a une concertation entre les deux et qu'on ne va pas avoir l'un qui va mener nécessairement l'autre, mais qu'il va avoir une influence entre les deux cerveaux. Mais qu'on ne connaît pas encore. Il faut bien avouer notre ignorance à ce stade. Merci. Une question de technique. Comment expliquer le rôle néfaste du sucre sur le cerveau alors que c'est un carburant pour le cerveau? Et deuxième question aussi technique, comment expliquer que la marche ait un impact sur l'hippocampe? Alors, pour le sucre, en fait, c'est sûr que c'est le carburant que le cerveau préfère,
en tout cas à court terme. Mais ici, ce sont des effets à long terme. Et on sait par exemple que dans le diabète, il y a aussi un effet néfaste qui en partie, pas totalement, mais en partie est lié à l'excès de sucre. Chez des animaux, on a pu, dans le diabète expérimental, montrer que sur le long terme, exposer à trop de sucre a plutôt un effet contraire, néfaste. Alors la deuxième question, c'est assez logique parce que l'hippocampe à l'origine, chez les animaux, on va dire, plus primitifs, quand il est apparu dans la phylogénèse, était un organe qui était un GPS. Donc l'animal avait besoin, en sortant de l'eau la première fois, sous la terre ferme, a besoin de s'orienter autrement que dans l'eau. Et l'hippocampe est apparu comme une espèce de GPS pour lui permettre de dire « Ok, par là je suis passé, il y a de la nourriture, c'est bon, là attention, je risque de me faire manger » et ainsi de suite. Et l'hippocampe est fortement lié au spatial. Il y a des cellules dans l'hippocampe. Si vous mettez des électrodes chez un rat dans une cellule, elle décharge quand le rat se tourne comme ça et s'arrête quand le rat se tourne dans l'autre sens. Donc cette machinerie est, à l'origine en tout cas, liée à l'espace. Chez l'homme, il sert aussi à encoder les mots, etc. Mais à l'origine, c'est fortement lié à l'espace et je pense que c'est lié à ça qu'on a un effet. Merci. Et le sucre a un effet néfaste comment? On ne sait pas. Bon, il y a des hypothèses, hein, donc l'effet du sucre, par exemple, sur l'insuline, donc c'est via l'insuline. Donc, dans le cerveau, si vous voulez, il y a des récepteurs à l'insuline. Donc, l'insuline agit aussi au niveau du cerveau. Si vous avez trop de sucre, l'insuline, quelque part, agit beaucoup et entraîne d'autres enzymes dans le neurone qui ont des effets néfastes, notamment de dépôt d'amyloïdes dans ce neurone. Et on pense, sans avoir la certitude, que c'est via ce mécanisme-là que l'hyperglycémie chronique, si vous voulez, abîme, altère les enzymes au niveau du neurone. Oui, d'abord, grand merci pour cet exposé. J'aurais deux questions. Brièvement, y a-t-il des études concernant un éventuel lien entre la perte d'audition et la perte de cognition? Deuxième question, y a-t-il des statistiques concernant les créateurs, les écrivains, les peintres, les artistes? Voilà, merci. Alors, donc, en ce qui concerne l'audition, de manière plus générale, la déprivation sensorielle, qu'elle soit auditive ou visuelle, a des effets néfastes, finit par avoir des effets néfastes sur le cerveau. Donc ça, c'est vrai. Alors, du côté des créateurs, je ne sais pas si on a étudié d'une manière, enfin, donc en termes populationnels, si on a pris des créateurs. Je pense en tout cas que l'effet de la diminution de la cognition sur les créateurs est très particulier. Donc, de un, les capacités, par exemple musicales, chez quelqu'un qui développe une maladie d'Alzheimer, et j'ai des patients, se maintiennent assez longtemps. J'ai des patients qui avaient une démence d'Alzheimer déjà au stade modéré, mais qui étaient pianistes avant et qui continuaient à jouer pas trop mal, si on croit à l'entourage, qui disait, donc cette capacité, donc c'est un domaine d'expertise qui résiste plus longtemps. De même, bon, il y a des patients qui ont écrit des livres tout en ayant la maladie d'Alzheimer, qui sont des livres tout à fait lisibles et même parfois assez bonnes. Dans l'autre sens, certaines formes de dégénérescence du cerveau semblent susciter une créativité qui n'existait pas jusqu'alors. Et ça, c'est tout à fait étonnant. Ce sont par exemple des patients qui souffrent d'une forme de démence qui s'appelle la démence frontotemporale. La démence frontotemporale, c'est une atteinte de la partie avant du cerveau. Et il y a des très belles études sur des peintres ou des écrivains ou des musiciens qui ont développé cette maladie et qui ont quelque part augmenter leur créativité, ou même des gens qui n'avaient jamais peint ou avant et qui se sont mis à peindre une fois qu'ils ont développé la maladie. Et pas trop mal, oui. Merci. Il y a encore une question. On va en prendre deux. Merci, monsieur, pour votre présentation. Alors moi, j'avais
J'avais deux questions. En parlant d'obésité, par quel biais l'obésité engendre des troubles cognitifs? Est-ce que c'est comme pour le rein, il y a une théorie actuellement où on parle de dépôt amyloïde de type AA au niveau du rein, est-ce que c'est pareil au niveau du cerveau? La deuxième question, par rapport au sel, quelle est la ration, entre guillemets, au sel que vous conseillez pour maintenir un équilibre cognitif? Ça, c'est une très bonne question. En tout cas, l'obésité, donc le facteur principal qui a été incriminé, mais probablement qu'il y en a plusieurs, c'est l'hyperinsulinémie secondaire qu'on a, et avec la downrégulation de certains enzymes, à nouveau, comme j'ai dit, qui, à ce moment-là, favorisent l'accumulation d'amyloïdes dans le cerveau. Par rapport au sel, je vous avoue que je ne sais pas répondre à votre question, je ne sais pas. S'il y a un ratio, je n'ai pas étudié en détail ce problème. Ma question est loin d'être innocente, parce que quand vous avez parlé d'une baisse de l'incidence de la démence, parce qu'on sait mieux traiter l'hypertension artérielle aussi. Oui. Voilà. Oui, vous avez tout à fait raison, mais je ne sais pas vous en dire plus, je peux aller chercher. Docteur Ivanoviou, vous dites que l'Alzheimer est lié à l'âge. À partir de quel âge peut-on avoir cette maladie? Alors, c'est une très bonne question. C'est lié à l'âge, c'est-à-dire que ça devient plus fréquent avec l'âge. À l'âge de 60 ans, ça reste encore relativement rare, c'est moins de 1%. Mais à l'âge de 80 ans, ça devient 25%, 20-25% de la population. C'est dans ce sens. Ce n'est pas l'âge en lui-même qui provoque la maladie, mais ça favorise. Merci. Vous nous avez parlé du c'était très intéressant, merci. On a vu que les moyens de retarder, mais que c'était aussi inéluctable. Que peut-on penser de la perception du déclin cognitif, des émotions que ça dégage? Ça peut avoir une répercussion très importante, aussi, le rapinalisme, etc. Est-ce que là aussi, il y a des facteurs de risque? Est-ce que le rapinalisme fait la différence entre les faits? Ah, je pense effectivement que la perception, surtout la perception négative de ce déclin, joue un rôle négatif en soi et ne fait qu'accentuer ce déclin. Je pense qu'une attitude positive a certainement un effet favorable, ne fût-ce que, comme je l'ai montré, par le signal que cela envoie au cerveau. Donc je crois que vous avez raison. Avoir une attitude positive par rapport à ce qui se passe avec l'âge est une des armes les plus puissantes que vous avez pour résister. Encore une question, vous acceptez? Très court. Quel est le lien entre dormir peu et le vieillissement du cerveau? Oui, c'est une bonne question. Il y a pas mal d'études à l'heure actuelle sur l'effet du sommeil qui n'est pas tout à fait tranché. Donc pour certains, dormir peu augmente le risque. Mais pour d'autres, dormir trop augmente le risque aussi. Donc il y a probablement un entre les deux qui est optimal, mais qu'on ne connaît pas encore. C'est trop tôt, les recherches ne font que commencer en fait. Donc vous recommandez dormir de 7 à 8 heures? Alors ça dépend de l'âge, mais 7 à 8 heures, ça me paraît tout à fait raisonnable, pour quelqu'un comme vous par exemple. Merci. Merci.